Elle s'entraîne deux fois par semaine, échauffement, mêlée, plaquage, et en ce moment, elles apprennent les combinaisons en touche. Oui. Il y a beaucoup de choses à travailler parce qu'on se lance dans le rugby à 10, c'est tout nouveau pour nous. Donc il faut vraiment qu'on réapprenne chacune vraiment notre poste, notre rôle. Mais là c'est super parce qu'on a chacune notre placement et chacune notre rôle, comparé au rugby à 7 où c'était vraiment physique. Tout a commencé il y a 5 ans. Eugénie et des amis très motivés ont testé le ballon ovale. Au club de Thônes, 3 joueurs se sont portés volontaires pour leur apprendre tout depuis les bases. On est arrivé à faire une équipe qu'on a engagée après en championnat. Donc c'était pour nous c'est très valorisant puisque donc partant de juste d'un groupe de filles, maintenant on a une équipe qui je pense joue très correctement au rugby et qui voilà gagne des matchs. EG première ligne, Juju première ligne, Caro première ligne, Bambin talonneur, Steph deuxième ligne, Tic Tac deuxième ligne. Moi, je vieillis, j'ai commencé à avoir un peu de mal à jouer. Il va falloir qu'il y ait des filles pour s'investir et prendre ma place. Il faudrait une dizaine de filles pour que l'équipe soit au complet. Valentine participe à son premier entraînement chez les Aravissantes. Ouais, je suis contente d'être venue, j'aurais pas d'être venue. Après, voilà, c'est la reprise un peu pour moi, donc c'est un peu intense. Mais ouais, il y a l'air d'avoir une super équipe. Du coup, je suis bien contente d'être venue ici ce soir. Le club cherche aussi des bénévoles. Entraînement tous les mardis et jeudi soir à Thônes.